Ouais, salut tout le monde. Aujourd'hui c'est So 22 ans. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à invoquer sur Token Battle depuis votre mobile. Non, plus sérieusement les gars, aujourd'hui c'est vrai que le format d'enregistrement, il est très différent par rapport à d'habitude. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez vraiment être immersé de fou dans cette vidéo, de la regarder depuis votre téléphone. Comme ça, vous avez vraiment l'impression que je suis en train de contrôler votre téléphone ou que c'est votre compte sur Dokkan Battle. J'ai jamais essayé ce format-là et là, aujourd'hui, je suis contraint de le faire parce que même si hier j'ai réussi à poster une vidéo par miracle depuis mon ordinateur, les problèmes ils sont toujours pas réglés. J'enchaîne encore les galères sur les galères et ça commence à être un petit peu tendu. Mais bon, on fait avec, le technicien il arrive toujours lundi, on est à peine jeudi, je peux toujours pas streamer. Et je vous avais dit dans la vidéo d'hier qu'à la base, je comptais invoquer en live avec vous sur le portail de C17 et C18. Sauf que évidemment, j'ai pas envie d'attendre 4 jours ou 5 jours avant de pouvoir rebalancer 3 multis. Donc on va le faire dans cette vidéo. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à m'apporter un maximum de luck, un maximum de soutien. Et ça me fait bizarre, hein. La vérité les gars, d'enregistrer dans ce format de vidéo, j'ai vraiment l'impression qu'il manquerait plus que la petite cam en haut à gauche, en haut à droite, et on est en FaceTime en fait. Genre vous êtes mes giga frérots, on est en train d'invoquer ensemble. Oh Koledé Owalida, Krilin le Chauve, meilleur ami de Goku le Chevelu. Ok, ok. Je sais pas si quand j'appuie super fort sur l'écran... Non. Là, par contre, écoute-moi bien, Krilin. D'accord, j'ai le droit d'être gentil pendant encore 24 heures, mais vu qu'il y a eu animation SSJ God et qu'il a dit Koledé Owalida, non seulement j'ai 3 SSR, mais en plus de ça, j'ai un détecteur de garantie. Ok, monsieur. Le doublon de C19 et de C20, mais ça marche. Waouh. Ok, c'est une bonne multi pour l'instant. Parce que on a droppé un doublon d'un très bon hors détecteur, comme je l'ai dit hier dans ma vidéo. Vraiment, je crois que je vais jamais réussir à m'habituer à ce format de VOD, hein, les gars. La vérité, j'espère que c'est la première et la dernière fois. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que ça fait ultra chelou. Genre, je parle super proche de mon écran. Limite, j'ai mon nez de collé quand j'invoque. Wow, l'animation de tard les fous, là. Ah ouais, c'est 18 avec Fatbou. J'ai parlé en même temps que Goku, il parlait son animation, qu'il était en train de citer son invocation, sa phrase. Du coup, je sais pas ce qu'il a dit. Mais à mon avis, cette multi, elle sera pas folle. D'ailleurs, les gars, on est ensemble. N'hésitez pas à me follow sur Twitter. Le lien, il se trouve dans la description. Et en gros, là, je me suis chauffé. Je mettrai vraiment que 300 DS par portail. Jusqu'à l'arrivée du DDF des 7 ans. Ça y est, je me suis résolu, c'est la décision que j'ai prise, rien ne pourra y changer. Ok, bon. Deuxième multi, on a encore eu un personnage détecteur. Franchement, je trouve qu'on est quand même chanceux. Hein. La vérité, sur toutes les multis qu'on a faites, si vraiment dans le lot, à la place du C13, il y avait pu avoir C17 et C18, mais c'était parfait en fait. Parce que là, tout à l'heure, on a droppé sans animation. Là, Koledé Owalida. Attends, mais on va vraiment... Mais mec, les multis de fou. Mais ça, c'est parce que vous invoquez avec moi, en fait. Genre, vous regardez mon écran, mais c'est comme si vous étiez en train d'invoquer. Je crois que ça doit donner cette impression. Oh là là, let's go. Je savais même plus qu'il était sur le portail, le Mirai Gohan. J'ai cru que c'était une unité de fou. Alors, en vrai, de vrai, il me manquait un ou deux doublons pour pouvoir le rainbow. Et hier, en plus, dans la vidéo, je lui ai dit, ouais, Kid Goku GT, il va passer à 100... Mes frères... Mais les gars, c'est fini, vous verrez jamais plus ma tête, et je vais invoquer que comme ça maintenant en vidéo. Il manquerait que C17 et C18, et là on est sur une multi-Twitter. Hein. Ah mais je... Mais quoi? Mais what? Mais je viens de passer à 100% le kit Gohan Agi alors que je l'ai droppé il y a même pas un mois? Wesh, c'est quoi cette multi de fou là? Mais c'est incroyable! Mais sans déconner, mais attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SSR, dont 3 du détecteur. Attendez, je screen. Mais qu'est-ce que c'est que cette multi de folie? Attendez, les gars, je vous avais dit, je mettrais maximum 300. Une dernière, vraiment la dernière des dernières, des dernières, des dernières. Après ça, je mettrai plus que 300 DS. Pourquoi il n'y a jamais la faille, il n'y a jamais Whis, Tenchinan, Shaozu, Yamcha, mais... Ichibachikada.
Bon, ça peut être 3 SSR comme ça peut être un détecteur. J'espère que la qualité du micro, elle sera pas trop dégueulasse. Pas d'essai gigote, je t'en supplie. Let's go, y a pas d'essai gigote. Par contre, la vérité, je suis choqué, hein. Je vais peut-être plus souvent invoquer dans ce format de vidéo, j'ai l'impression que mes multis, elles sont goldées là d'un coup. J'ai réussi à rainbow quand même, le Gohan. Non, mais s'il te plaît, donne-moi ces 17 et ces 18 là. J'en ai marre, j'ai droppé tout le détecteur sauf eux. C'est les seuls qui me manquent. Oh, ça dégoûte. Genre, je vais devoir attendre qu'ils reviennent sur un portail avant de pouvoir les redropper une nouvelle fois ou les acheter avec les pièces alors que c'est les meilleurs persos du jeu avec Gohan Ultime. Ah, ça fout un petit peu le seum, mais bon. En vrai, ce serait de mauvaise foi de se plaindre comme ça, mais. Vous connaissez quoi? Ouah, j'ai vraiment 100% le kit Gohan et le kit Goku, du coup, en fait, il me manque un doublon pour le passer Rainbow. Un peu le seum. Un peu le seum, mais bilan des invocations, franchement, ça en sort pas mal du tout. Hein. En vrai de vrai, c'était plutôt marrant. J'ai vraiment hâte de voir dans l'espace commentaire vos commentaires pour voir ce que vous allez me dire. Et je pense qu'on va s'arrêter sur ça. D'ailleurs, hier, la vidéo, vu que je l'upload depuis mon ordinateur avec la 4G, il y en a eu à peu près pour 45 minutes. Hein, heureusement que j'avais pas trop monté la vidéo, parce que sinon, je pense que l'upload, il aurait été désastreux et la vidéo serait sortie à 3h du matin. J'ai rien de plus à ajouter, hein, il me semble. Voilà, c'était des bonnes multis, ça m'a fait plaisir. J'ai un gros mal de crâne depuis ce matin, mais c'est pas grave, je lis Solo Leveling, ça me donne de la force, je mange des chips. Puis là, je vais me poser un petit coup. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix ou pas, que je suis un petit peu fatigué, mais Osef, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. À très très bientôt. Ciao, ciao.